Salut les gars. Bon, allez, et de retour. Allez, on a pris un petit peu de détente. Petite trêve. Voilà, et là on s'est échauffé. On a chauffé fort. On fait un nouveau décor. Oui, vous avez vu? Alors on commence par ça. Du poster. Et la semaine prochaine, surprise. Ça va évoluer. Là. Ça va changer. Grosse surprise. Attention. Et là je vous conseille, mais rien que pour ça. Faut venir. Parader, il va falloir venir. Parce que ça va être un moment, c'est monumental. C'est de l'histoire du web qu'on est en train de construire là. C'est énorme. De toute façon, vous le savez, Café Foot, c'est que du lourd. Donc même là, ça va être du lourd. Ça va être bien lourd. Bon. Bien comme il faut. Ça nous fait plaisir d'être de retour. Hein. Bon, moi, ça me. C'est la saison 2. La saison 2. C'est comme 24. C'est ça. Ouais, c'est d'ailleurs, ça commence. La même journée. Ça commence ce soir. Ce soir, quand on enregistre là, eh ben, c'est le début de 24 c'est aux États-Unis. Quelle saison, 7e? C'est la saison 7. 7. 7, ça porte bonheur. En parlant de 7. Non, c'est 70. Épisode 70. 70. C'est 70 fois qu'on se cause. Bon, et ben justement, causons. Causons. Reprise du championnat de France de football. De Ligue 1. Par un temps absolument. Mais comment ils font? Il fait froid. Comment ils font pour jouer, il les gars? Il fait moins 10, parfois moins 15. J'ai entendu. Parfois moins 20. Moins 15 au moins 30. Moins 15 au moins. Il fait moins des trucs, mais énorme. C'est moins énorme. Qu'on n'a jamais vu. Et les mecs, ils ont quand même besoin de jouer au foot. Le soir, parce et que oui. la Ligue a choisi de faire un multiplex. On est, quel jour aujourd'hui? 12 janvier. On est le 12, ouais. 12 jours. Mais donc c'est dimanche 12. Ils ont choisi de faire le 11 janvier un multiplex à 21h du soir. Parce qu'il y a aussi 21h du matin. 21h du matin, c'est et ben là, plus c'est 21h du soir. Et alors et les terrains sont gelés. C'est impraticable. Enfin bon, bref. Même bon, pas voilà. Ouf. Même qu'il a gagné, parce que Marseille a gagné à Auxerre. Ah non, mais oui, voilà. Marseille a gagné à Auxerre 2-0. Oui. Et même pas Biouf qu'il a gagné à Auxerre, je te parie qu'il est absolument en colère d'avoir joué. Parce qu'il met en... C'est quoi ça? Il y a des gars là, t'as vu, il y a du... Ben oui, il y a Platini là. Platini là. Non, là. Là, mince, j'arrive pas. Là, j'arrive pas du tout. J'arrive pas du tout. C'est là. C'est là, Platini. Même Pape Diouf, il est pas content parce que quand on fait jouer des joueurs sur une pelouse qui est dure comme du béton, et ben ça met les joueurs dans des situations assez compliquées. Et oui, ils peuvent se faire mal. Ils peuvent se faire très mal. Ils peuvent se blesser et ça sera la faute de qui? La faute à qui? La faute à monsieur. Qu'est-ce qu'il en prend? La faute à pas de chance. Il en prend plein la figure, Thierry, en ce moment. Ah, mais bon, voilà, vraiment. Bon, sur le plan sportif quand même, donc Auxerre perdu à domicile contre Marseille. Marseille qui revient combien? 4 points? 4 points du leader. Je sais pas. 4 points du leader. Bon, bah, attends, je vais regarder ça tout de suite. Non, je sais plus parce que je sais qu'il y a eu pas mal de petits changements. Oui, non, Rennes a gagné contre Grenoble 1-0. Le vrai truc qui est important à dire, oui, parce que tu oublies l'info, toi. C'est vrai. Que Lyon a encore fait match nul chez eux. Contre Lorient. Les Merlus. Un partout. Oui. Après avoir fait match nul, tu te souviens, contre Valenciennes. Bon, c'était la saison dernière, j'ai oublié. Un déluge, il y avait de l'eau partout. C'était 0-0. C'était 0-0. 0-0. Et après avoir fait un autre match nul contre Marseille. Bon, ils perdent du terrain. Marseille à domicile. Au passage, les gars, au passage, moi je vous le dis, j'ai regardé Manchester-Chelsea. Ce qui avait un peu rien à voir avec la Ligue 1. Rien à voir. Parce qu'il y avait un super beau match. Sauf que quand tu compares Lyon-Marseille à Manchester-Chelsea, À manger celle-ci. C'est l'heure de manger celle-ci. Et ben, je te promets que ça n'a mais rien à voir. Alors surtout, nous on est tout petit. Ah oui, mais c'est pas une révélation ça. C'est pas du nouveau. Non, mais il y avait quand même le match, le grand match de la journée, c'était Bordeaux Paris Saint-Germain. Et Bordeaux qui a atomisé le Paris Saint-Germain 4-0. Mais alors, et alors avec des buts, j'ai pas vu les buts encore. Il paraît que le but de Gourcuff, c'est le but de l'année. Si vous l'avez vu, on va le voir. On va regarder. Vous pouvez nous envoyer des liens pour voir. On peut le voir. Les buts de l'année. But de l'année. J'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Regardez sur Dailymotion ou YouTube. Ouais, non, je suis allé voir, j'ai pas trouvé. J'ai pas vu. Donc voilà. Donc Manchester Chelsea. Moi, je l'ai bien dit. C'est pas facile à dire. Manchester Chelsea. Mais ça, tu prends ton temps. Si tu le dis plus rapidement, ça 3-0. Oh, vache. Allez, direct. Et l'addition et un café. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Drogba était d'une nullité absolue. D'une nullité, mais absolue. Ronaldo, très moyen. Cristiano. Oui. Ouais. Très, très moyen. Berbatov, mais alors aussi nul. Et par contre, un mec comme Rooney. Parce que c'est Evra. C'est un extraterrestre. Evra, très bien, mais il s'est blessé à la fin. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Bah, il s'est blessé, il est sorti. Bon. Bye. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il y a comme eu 3 matchs de reportés. Non, on revient sur la Ligue 1 pour donner les infos. Ouais, c'est bien construit 3 matchs, aujourd'hui. 3 matchs de reportés, comme, dont l'affiche du championnat, qui était Valenciennes. Caen. Au passage, Savidan, toujours à Caen. Il n'est pas allé à Marseille. Hein? Pas encore. Le mercato a commencé il y a 10 jours. Mais il ne va pas y aller. T'as vu ce qu'il a dit? Ouais, il parle. Il n'ira pas. Il n'ira pas.
Il n'ira pas. Il n'ira pas. Il n'ira pas à Marseille. On verra qui viendra à Marseille. D'ailleurs, à propos, si vous connaissez un attaquant entre 27 et 35 ans qui soit disponible, bon, Marseille cherche. Bon, je vous dis, faites passer l'info. Il y a GG qui joue en promotion d'honneur. Gérard. GG, il peut jouer parce que vu le... Ouais, ils cherchent vraiment, ils ont du mal. Ils ont du mal. Bon, dans les résultats, il y a quand même des choses importantes à part Marseille. Le Havre qui perd à domicile contre Toulouse. Bon, ça, c'est, il y a deux expulsés. C'est dur. Le Havre, c'est Nantes dur. Qui va gagner à Monaco. Oui, surprise. Hein. Grosse surprise. Ce qui ne fait pas les affaires de ceux qui jouent le maintien, comme nous. Hein. Mais tu joues le maintien, toi? Ah, nous, on joue le maintien avec Henri. Tous les dimanches matin, tu joues le maintien? Ah, on se maintient. Tu essaies de te maintenir debout. On se maintient bien avec ce qu'il faut. Avec sa carburant. Autre. Après, Sochaux qui est allé gagner contre Saint-Etienne 1-0. Alors, ça, c'est pas bon aussi pour ceux qui jouent le maintien. Perrin. Sochaux, ça fait qu'il remonte et tout. Pauvre Perrin. Perrin. Et enfin, Grenoble, ça va vachement moins bien aussi. Oui, hein, mais ça, on le savait, on l'avait dit en début de saison. Rennes, tu te rappelles? Rennes a battu Grenoble 1-0. Rennes, ça fait 18 matchs et Rennes, sans défaite. 3ème du championnat. 18 matchs sans défaite, les Rennais. Bravo, moi je dis chapeau. Et Rennes sera gagner. Et c'est Sceaux qui marque le but. Alors que Sceaux, il était. Quand tu écris Sceaux dans le 92, dans les Hauts-de-Seine? Ah, mais non. Ah bon? S-O-W. S-O-W. D'accord. Et en fait, le Gasso, il est au début, il était pas titulaire. Et puis il était devenu joker de luxe. Écoute, il est pas mal. Hein. C'est bien ça. Il n'a pas marqué en ce moment. D'accord. Bon, c'est du solide, c'est du solide. Voilà. Bon, sinon mercato, il se passe pas grand chose. Le Mans Lille reporté et il y en a un autre. Ouais. Nice, je crois que t'es reporté. Oui, Nancy Nice, mais normal. Hein, Nancy Nice, voilà. Mais dans tout ça pour dire que le mercato, il y a pas grand chose qui se passe. Hein. Bah non. Non, il n'y a plus personne à des sous. Personne, vous n'avez pas là. Des trucs, vous, à nous dire? Ouais, je ne sais pas. On n'a pas grand chose. Il faut suivre qui, là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Bon, dites-nous et puis on revient bientôt. Bah, on revient vite. Tout le temps, comme d'habitude. Ouais, peut-être pas tous les jours. Hein. Non, mais tous les deux jours. Voilà, tous les deux, trois jours, en fonction de l'actualité. On est comme ça. Nous. Voilà, c'était donc Café Foot 70, premier de l'année 2009, en pleine forme. Laissez-nous des commentaires. Et n'oubliez pas, la bise à ceux qui nous aiment. Et puis à bientôt. Et à bientôt. Voilà, salut les gars!